J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le nouveau kit des Sims qui vient de sortir et que j'ai pu acheter. On va découvrir d'abord ce qu'il y a dans le créer un Sims, puis comme meuble, puis on va tester tout ça. Alors, du coup, il y a une seule coiffure. On va te retirer ton chapeau, lui. Ton chapeau, voilà le chapeau. Il y a une seule coiffure pour les messieurs. Excusez-moi, j'aime pas sa tête. Voilà. Il y a une seule coiffure pour les messieurs, du coup. C'est pas mal, hein, on peut le dire. On essaiera de la mettre sur notre petite marque du son bébé challenge. Ça pourrait lui aller. C'est tout pour les messieurs. Voilà. Au niveau chapeau, visiblement, il n'y a rien. Au niveau accessoire, non plus. Ok. Du coup, il n'y a pas grand-chose, comme d'habitude, là. Alors, en vêtements. En vêtements. Il y a trois nouveaux hauts. Il y a ça, qui est pas trop mal, mais bon, sans plus. C'est mon avis, hein, vous inquiétez pas. Il y a ça que j'aime bien. Oui, j'aime bien. Ça, j'aime bien, ça va. Et il y a ça qui est pas mal non plus, je trouve. J'aime bien. Au niveau des tenues complètes, on n'a rien. Pour les messieurs, en tout cas. Pour les pantalons, il y a deux pantalons qui sont pas dégueu non plus, enfin celui-là ne l'est pas en tout cas. Alors moi j'ai chaussette. Celui-là il est pas trop mal non plus. Oh, on va pouvoir faire des choses intéressantes. C'est pas trop mal, on va dire ça. Ici bah y a rien. Oh. Voilà. Et niveau chaussures, est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Dommage. Bon, on y arrive. Pour les dames, bon, on va laisser comme ça. Attendez, on va te faire vite fait. On va le laisser comme ça. On va appeler Jean-Michel. Voilà. Hop, Jean-Michel machin. Voilà. Il n'y a rien de nouveau là-dedans, je pense. Comment ça se verrait? On va mettre joyeux. Végétarien. Et oui. Allez hop. Et tata elle. Alors, niveau coiffure. Il y en a deux. Celle-là, qui est, on peut dire, assez moche. Ça dépend de la couleur, mais en noir elle est moche. Allez, on va la mettre rousse. Hop, on va faire ses sourcils. Belle. Bon, on va changer sa tête aussi vite fait. Et un peu des beaux yeux. Voilà. C'est mieux. De mon point de vue, toujours. Voilà. Du coup, après, niveau tenue. Attendez, on va pas regarder mes accessoires. On va faire ça, ce sera plus simple. Attends, hop, non. Tac. Pourquoi je vois pas? Là. Il n'y a pas d'accessoires. Et il n'y a pas de chapeau non plus, sinon il serait dans les poignets. Ok. Jamais de chapeau. Hein. Ça c'est. Et il y a ma petite robe là que j'avais déjà vue, qui est vraiment jolie. J'aime beaucoup. Franchement, celle-là elle est jolie. Ensuite, ici, 5 hauts.
Moi, c'est simple, mais c'est bien. Ça, c'est sympa aussi. Ça aussi, c'est assez sympa. Ça aussi. J'aime bien. J'aime bien les pieds. Ok. Ensuite, niveau pantalon, il n'y en a qu'un. Mais il est joli. J'adore. Oui, j'adore. J'aime beaucoup. Alors, après, niveau enfant, est-ce qu'il y a des choses? Je vais faire un petit peu plus de choses RP, un peu là. On va faire une petite famille pour tester ce kit. Voilà. Alors, niveau coiffure, il n'y a rien. Niveau vêtements. Il y a ça. C'est pas top top quoi. Hop, on va mettre ça. Niveau pantalon, il n'y a rien. Ah, il y a la petite robe là qui est pas mal. Elle est chaude. Mais ça va dans le même truc que sa mère, ça. Enfin, que une fille. Niveau garçon, maintenant. Oups. Il a l'air d'avoir rien du tout, en fait. Pour les enfants, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ok. Et ben c'est dommage. Pour les bébés, n'y a rien. Bon. D'accord. On va mettre lui comme bébé. Hop, Jonathan. Et il va être. Il va être Angélique. Voilà. Elle, ce sera Luna. D'ailleurs, est-ce qu'il y a quelque chose pour les animaux? Je pense pas. Hein, honnêtement, oula. Non, il n'y a rien. Si. Attendez. Non, il n'y a rien. On avait déjà, mais je sais pas pourquoi des fois ça et cette. Alors, on va leur mettre un gros chien. Voilà. Du coup, je vous retrouve une fois que j'ai terminé la famille. Donc, niveau siège, il y a ça. Il a l'air plutôt pas mal. Hein. Mais moi, j'aime bien. Et à sa version canapé. Il y a la même couleur, du coup. Il y a la chaise, qui est un peu dans le même style, qui doit avoir les couleurs qui ressemblent. Toc, 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 voilà. Il y a ça. Je pense que tu peux t'asseoir dessus aussi. Voilà. Une table. C'est une table basse ou une table où tu mets des chaises? C'est une table ronde. Oh! Ok. Génial. J'adore les talons. Bon, comme ça, c'est moins joli. Moi, je trouve. Hein, voilà. Ensuite, on a un petit meuble. Qui est sympa aussi. Ça va. Ça. Ça passe, mais bon, sans plus. J'aime pas spécialement. La petite table basse, du coup, qu'on a vu tout à l'heure. Qui est pas moche. Hein. Moi qui ai besoin d'une table comme ça, je dis pas non. Ça à l'entrée, ça va être cool. Ça changera un peu le porte-manteau, n'est-ce pas? Attendez, il faut un mur. Il faut le mur. Il faut faire un mur. On va faire un mur là. C'est beaucoup trop grand, je le sais. Nickel. Alors. Bleu. Alors, il y a ça, la petite déco qui est beaucoup trop sympa. J'adore. Franchement, j'aime beaucoup.
Oh, comme ça, c'est joli. Ok. Vase. Ah, c'est joli. Il y a ça. Donc, il va sur le mur. Et ça? Non, ça va à côté. Ok. Du coup, ça, c'est bien. J'aime bien. Il y a un petit fer à repasser ici. Touc, touc, touc. Voilà. Ici, bah, c'est sympa aussi. Ça peut se mettre à l'entrée aussi parce que tu peux attacher des trucs là. Il y a la petite armoire là. C'est vrai, excusez-moi. L'armoire là, elle est bien. Ouais, j'aime bien. Oh, comme ça, elle est trop belle. Ok. Bon, l'évier, voilà quoi. Il est pas beau quoi. Ah, ben c'est tout pourri. Bon. On va dire que ça fait. Qu'est-ce que ça fait? Les machines. Les bonnes vieilles machines. Bon. C'est joli sans trop plus. Hein. Voilà, il y a des couleurs. Sans les. Oh! Attendez. D'accord, donc là on peut. Bon. En gros, c'est la même chose, sauf que là tu l'achètes pour les deux. Pas plus large. Bon, c'est une impression. Sauf que là, ils sont déjà attachés et là, elles ne sont pas. En fait, tu peux les détacher. Donc, en fait, c'est la même chose. Ça. Pour laver à la main, ça va être cool. On va faire de l'esclavage. Voilà. Il y a les petits paniers qui sont jolis. Moi j'aime bien. Le petit étendoir à linge. Voilà. Il y a des couleurs. Oui, des couleurs. Ok. Il y a le petit pot de fleurs et les pommes de pin. D'accord, il n'y a que les paniers qui changent de couleur. Le petit arbre qui est franchement, j'adore ce petit truc. J'adore. Je le trouve super beau. Excusez-moi, c'est quand je change la couleur. Oui. Oh, il y a tout qui change de couleur. Ok, ça c'est joli. Il y a ça. Ok, bon, c'est mignon. Bon, voilà. Le petit truc de lessive. Le petit truc pour lessive. Les paniers. Plein de paniers. Voilà. Hop. Encore des petites plantes, des petites décos. Ça m'a mis. Tout ça, c'est cool. Oui. Alors, les tapis. Les tapis, plein de tapis. Bah, lui, il est joli, mais sans plus, quoi. Ouais. Je suis pas sûre d'utiliser souvent. Je sais pas pourquoi j'ai l'idée. Celui-là, il peut être utilisé sympathiquement. Mais au niveau de l'entrée, par contre. Oh, celui-là, il a l'air joli. Oh, mais il est joli. Attendez. Oh, celui-là, je pourrais l'utiliser dans le salon. Celui-là, bien sûr. Celui-là, sympa, mais sans trop plus. Ah, celui-là, pareil, dans le salon. Il peut être sympa dans le salon. Celui-là. Dans le salon, ça peut être bien. Dans l'entrée, celui-là. Dans le salon, celui-là. Eux aussi. Bah, c'est le même, en fait. C'est les trois attachés, en fait. C'est celui-là, celui-là et celui-là. Sauf qu'il y a plus de choix. Ah non, même pas, en fait. Même pas. Voilà. Alors, ça.
c'est le truc pour faire des mélanges dessus. Des petites pelles, des serviettes, une couronne. Ok. C'est joli, oui. Oh, la table à repasser. Et la table à repasser avec tout le kit. Ensuite, on a les petites bougies qui sont jouées tout. Comme tout. Et il y a le lustre. C'est une lampe, quoi. Mais pas tant. J'avoue que j'utiliserai pas. Honnêtement, ça, je vais pas utiliser. Du coup, on a tout ça. C'est quand même. Ah, j'ai oublié un évier. Hop. Non, plus les évier sont pas. Ouais, je pense. Ça passe. On a quand même tout ça dans le kit. D'habitude, c'est un peu pauvre. Là, je dirais que c'est pas trop mal quand même. Il y a plein de tapis. Ça va. Mais du coup, je pense que c'est pas trop mal. On va trouver une maison dans la galerie. Une petite maison. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas de terrain déjà. A few moments later. Oh, elle est jolie cette petite maison. Hop. Juste changer ça. On va dire que c'est notre famille de test. Hop, un petit jaune. Voilà. Oh, j'adore. Franchement, j'aime bien l'ambiance de la maison. Ça fait un style. Mais j'aime bien. Allez, du coup. Est-ce qu'il faudrait pas faire une douche? Attends. Prends une douche. Voir où ça finit, tout ce linge. Comment ça se fait? Viens ici. Attends, chien, toi. Parce que là, il va rester dehors toute sa vie. Prendre dans ses bras. Ok. Lui, il saura monter tout seul, c'est une petite marche. Du coup, tes vêtements, ils sont où? Ils ont été dans le panier? Ah oui. Hop. Non, pas amélioré. Ferme les cieux. T'as fini les poches. Fouille les poches. Si tu trouves des choses bizarres, tu nous le dis. Hein. Bah, fais la lessive maintenant. Pourquoi tu veux ça? Laver dans une bassine. T'as pas de bassine? Si? Tu me fais tard. Ferme la lessive. Dépêche-toi. Hop. Ça, tu peux. Maintenant. T'as vu à la lessive. Fais le linge. Voilà. Du coup, on va tester ça. Ok. Là, ça montre la fitness. Tiens, prends une douche. On va voir si ça se remplit vite. Ok, du coup, tu vas faire la lessive dans le linge. Qu'est-ce que tu fous, toi? Prendre et poser le linge. Bras douloureux, on dirait que quelqu'un a un peu trop insisté. Du coup, ça leur fait mal au bras. Je remarque que je comprends. Accrocher le linge.
Toi, tu fais quoi là? Mais. Bon. Faire un lessive, mettre dans le lavage. S'il te plaît, tu fais ce que je te dis. Ok. Regardez le linge tourner. D'accord. Par contre, j'avais envie de mettre la. Enfin, on va voir si on peut mettre le. On va voir si c'est le sèche-linge qui est là-dessus ou si c'est l'autre. Et ça peut être là-dedans. Est-ce qu'ils ont mis là-dessus? Où c'est qu'ils ont mis la lessive? Là, il y a les paniers. Je sais pas où ils ont mis, en vrai. Où est-ce qu'ils ont mis ça? Non. Ouais, je dirais. Non. Micro-ménager. Ok. Donc, alors, ça, c'est le lave-linge. Et ça, c'est le sèche-linge. Et on peut mettre dessus. Du coup, ça prend combien de temps? Tout en finesse. Comme d'habitude. Change sa couche, s'il te plaît, il vient de te chier devant toi. Ah, on ne peut pas changer sa couche. Vider le linge, mettre au sèche-linge. Du coup, ça. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Sécher le linge. Voilà, on a fini. Du coup, ce que je vous propose, c'est de fermer l'épisode ici et de me dire dans les commentaires si vous voulez un petit let's play avec cette famille pour voir Jonathan grandir. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ouais, un petit let's play un peu. Allez, à toi, attendez. On va grandir direct. Calme! Demandez de ne pas mettre le bazar. Bref. On va arrêter, ah, faut que j'arrête. Avec le petit Rufus, le petit Chacha, et puis tout ça. Vous aurez qu'à me le dire dans les commentaires si vous voulez qu'on continue. Et puis moi je vous dis bye.